Madame ou petit chien, c'est ainsi qu'on vous nomme. Il n'est question que de vous depuis avant-hier, et vous voici. C'est tout de même de la magie. Ah, au fait, je m'appelle Dimitri. Vous étiez déjà venu ? À Yalta ? Ouais. Non. C'est la première fois. Hein ? Le temps passe vite. Oui, oui. Pourtant, on s'ennuie si vous ne trouvez pas. Ah, c'est pour ça qu'on vient à Yalta ? Pour s'ennuyer. Pour s'ennuyer, effectivement. C'est l'endroit idéal, c'est bien connu. Cette poussière. Cette mer noire. Je ne sais même pas votre nom. Anna. Le bateau a du retard ce soir. Le voici, je crois. Le vapeur, cette fumée. Ce qui s'est passé entre nous était irrésistible, vous croyez pas? Ce n'est pas mon mari que j'ai trompé, c'est moi. J'ignore ce que nous allons devenir. Je sais seulement qu'il n'y a pas d'autre espoir. En dehors de cette minute, tenez cet instant, votre regard s'attache au mien. Ou votre cœur bat plus vite parce que j'ai pénétré dans votre vie par effraction. C'est impossible. Oui, c'est impossible. Je ne peux plus vivre sans vous. Je t'ai cherché partout, moi, jusqu'au port. Et tu es là, tranquille, absente, comme si... J'aime cet endroit. C'est le plus beau moment de la journée, tu trouves pas? Regarde la mer, ce bleu, intense, presque insoutenable. Je me fiche de la mer. Bon, je sais, on avait rendez-vous, un rendez-vous si sacré, je l'ai manqué. Et pour couronner le tout, le rapide avait du retard. Un train qui a 5 jours et 12 heures de retard, mon amour, ce n'est pas un rapide, c'est un omnibus. Il nous reste 3 jours. Pourquoi parler de ça? Parce que nous n'avons plus le temps. Je recule, je suis lâche. Il y a un an et demi que ça dure. Deux, oui. Et nous en sommes encore à nous cacher comme si nous avions honte des plus beaux moments de notre vie. Mais tout ça va finir, Anna, je te l'ai promis. Quel magnifique coucher de soleil. Le ciel est dégagé. Il fera beau demain pour aller sur l'île. Si tu veux bien, demain nous parlerons de la maison en volet bleu. Je trouverai un nouvel associé pour me succéder. L'an prochain, Sonia ira au lycée. L'an prochain ?